Donc ensuite, on va prendre notre shampoing, notre brosse à dents et notre brosse. Et alors, on va prendre la brosse à dents et le shampoing. Et on va mettre du shampoing sur la brosse à dents. Donc voilà, j'ai ma brosse à dents et mon shampoing. Et ensuite, je viens un peu tremper ma brosse à dents dans mon eau. Et je viens nettoyer les pics avec le dentifrice et la brosse. Les pics de mon peigne, voilà, comme ça. Bien partout. Et en fait, ça va enlever la petite poussière un peu qui colle et qui s'accumule, pardon, sur les petits pics en fait de la brosse. Et voilà, là vous voyez déjà, on voit que c'est un peu gris, donc c'est la poussière qui a été récupérée. Donc voilà, donc tout ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai enlevé de mes trois brosses. Donc voilà, et donc ensuite les brosses, on vient les mettre la tête la première dans l'eau. Et on vient les laisser tremper une demi-heure, voire une ou deux heures. Voilà, c'est comme on veut. Si on l'a fait le soir, on peut les laisser toute la nuit même. Ça va bien nettoyer. Hop, elle est un peu grande, donc on va faire comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà, c'est parfait. Et on attend bien que tout ce qui était accroché sur les pics s'enlève et se retire dans l'eau. Et après il faudra changer l'eau pour mettre et passer au vinaigre. Voilà. Voilà, j'ai versé du vinaigre. Donc maintenant, vous pouvez soit attendre, soit le faire tout de suite. Comme vous pouvez le voir, alors je vais vous montrer sur une brosse, il y a un net changement avec avant, puisque là, toutes les petites poussières, les cheveux, etc. sont partis. Mais je vous conseille déjà avant tout dans un premier temps, retirer les cheveux avant de faire tout ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà, donc ça fait déjà un petit moment que mes brosses sont dans l'eau. Et comme on peut le voir ici, là, l'eau est devenue un peu grise là. Donc ça c'est la saleté, on voit bien la saleté qui est partie, la poussière, etc. Les cheveux, voilà. Et donc je voudrais vous dire un truc. En description, je vous mettrai une vidéo. Donc c'est la vidéo qui m'a appris à bien laver mes brosses. Alors là du coup je voulais vous montrer comment étaient les brosses donc après lavage. Donc voilà, elles sont assez propres, voilà. Et du coup je voulais vous dire quelque chose, donc c'est à propos du lavage des brosses. Si vous ne lavez pas assez vos brosses, vous pourrez attraper des maladies comme des champignons qui vont vous gratter le crâne, vous les mangez, vous créez des pellicules un peu jaunes et blanche, donc voilà, donc il faut bien laver ses brosses. Voilà, ce tuto est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Voilà, bye bye.